Bonjour à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue à tous dans ce nouveau mercredi découverte dans lequel nous allons découvrir les 20 premières minutes de Zelda Link's Awakening ensemble. Ce jeu est un remaster de la version Game Boy et Game Boy Color. Il est disponible aujourd'hui le 20 septembre sur Switch et on va voir tout de suite ce que ça donne. Si jamais ça vous plaît et que vous avez envie d'en voir plus, sachez que sur ma chaîne secondaire, je ferai le let's play de ce jeu. Le lien est dans la description. Let's go! Il revient à lui! Enfin, j'ai cru que tu n'allais jamais te réveiller. Tu devais cauchemarder. Quoi? Zelda? Tu dois être encore patraque. Moi, je m'appelle Marine. Tu te trouves sur l'île Cocolint. Suis le chemin vers le sud et tu arriveras sur la plage où je t'ai trouvé. Mais sois prudent. Depuis que tu as échoué ici, des monstres terribles rôdent. Genre, c'est mon arrivée qui a causé l'arrivée des monstres, quoi. C'est abusé. Alors, Seros, t'es réveillé? Je m'appelle Tarquin. Tu te sens mieux? Quoi? Comment je sais ton nom? Eh bien, c'est gravé sur ce bouclier. D'ailleurs, il est à toi. Je te le rends. Ta-ta-ta-ta! Vous avez récupéré votre bouclier. Maintenez R, enfoncez pour lever et pousser vos ennemis. Ça vous dérange pas, en fait, que je balance... Oh non, je peux pas. Je suis trop petit. Je voulais casser des pots, mais en fait, c'est pas possible. C'est ce que tu fais en général dans Zelda. Quand t'arrives, dès que tu commences, tu destroys des pots. Mais ce jeu est juste trop mignon, quoi. C'est pour ça que je voulais le faire avant tout. Alors, pour une petite histoire, faut savoir que Link's Awakening, c'est mon premier Zelda. Le premier Zelda que j'ai fait lorsque j'avais ma Game Boy. Et c'était l'une des plus grandes aventures que j'ai vécues. Je crois que j'ai recommencé le jeu au moins 3-4 fois, tu vois. Ici, pour sauvegarder, il faut aller dans l'écran des options. Ok. Merci. Il y a un petit effet de tilt shift. Si vous savez, c'est quoi? C'est l'effet miniature. Il y a du flou en haut et en bas, c'est marrant. Clic, clic, tching, cling, 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 bloup, bloup, clic, pépé, ramolo à la paille. Je sais tout de l'île. Si tu te perds, passe-moi un coup de fil. À propos, il y a une bibliothèque dans le village. Peut-être apportera-t-elle une réponse à tes questions. Salut, clic. Ok. Bonjour, monsieur Pouloute. Ouais. Bonjour, mamie. Youpi, j'ai la paix chez toi. Mais ça va, ça va. Ça pourrait être pire. Hein? Comment dire? Téléphone à l'extérieur. Pépé Ramolo n'a pas l'air d'être un grand causeur. D'accord, en fait, la seule façon de lui parler, c'est avec le téléphone. C'est marrant, ça, d'ailleurs. C'est super beau à l'intérieur aussi. Bon, je vais continuer de dire c'est super beau. Beaucoup de gens sont pas fans de la direction artistique, mais moi, je suis total fou de ça. Ok, d'accord. Le chien, il va essayer de m'avoir, donc du coup, on va partir là-bas. L'étang. Non, c'est pas par là-bas qu'on veut aller. Nous, on va aller vers le sud. Je sais pas s'il peut me faire des dégâts ou pas, donc du coup, on va éviter quand même de s'approcher. Les grands disques, quand vos cœurs diminuent trop, il faut aller voir une grande fée. Pourquoi? Je ne sais pas, je suis trop petit. Il y a des pommes dans les arbres, je peux les prendre? Non, je pense pas. Il y a des bestioles. Poup. Hé, hey, bestioles. Ah non, je crois que je peux pas encore envoyer. Je pense que j'ai peut-être besoin d'un amélioration de bouclier ou un truc du genre, tu sais, pour pouvoir envoyer les trucs sur eux. Ah, mais je peux le pousser. Suis-je bête? L'épée. Un autre bidule. Le mec, il avait une épée au sol plantée dans le sable et bien sûr, il parle de bidule, quoi. T'es sérieux? Cette épée est donc à toi. Je comprends mieux pourquoi les monstres s'agitent tant. Le héros, celui qui doit réveiller le poisson rêve, est arrivé. On dit que le héros ne pourra pas quitter l'île tant qu'il n'aura pas accompli sa mission. Viens me voir dans la forêt enchantée au nord du village. Je t'y attendrai, ouhou. Récupère donc cette épée, mec. Et voilà. Les affaires sérieuses commencent. C'est la vôtre car votre nom est inscrit dessus, mais bien sûr. Attaquez les ennemis avec B. Wouh! Récupère ce cœur. Alors là, les choses sérieuses vont commencer. Il y a mon petit singe. Non, laisse-moi tranquille, petit singe. Là, j'ai besoin du bracelet de force pour pouvoir soulever le rocher. That much I know, ok? I know that much in this game. Ouh. C'est marrant, il récupère pas le diamant en disant « C'est un rubis bleu, ça vaut 100 rubis !» Tu vois, c'est... c'est un truc qu'il répétait à chaque fois. Je crois que c'est dans les versions 3D, en fait. Pas les versions comme ça, je sais pas trop. Bonjour. Bienvenue chez Aligo Banane. Je m'appelle Aligo, je suis gérant. Mon hobby, c'est de collectionner des boîtes de conserves rares.
Mon frère Cardé est un artiste parmi je ne sais... parti je ne sais où pour poursuivre sa carrière. Moi, je suis plus terre à terre. J'adore manger. Ok, d'accord. Si je trouve des boîtes de conserve, je t'en ramènerai, mon pote. Pas de souci. Pas de problème. Si c'est la dernière chose que je dois faire, je le ferai. Crève ! Est-ce que je peux prendre les bananes dans les arbres ? Je pense que peut-être qu'il y a un objet ou un truc du genre qui me permet de caper dans les arbres et récupérer les pommes et les bananes, tu sais. Je vais dans la forêt enchantée, du coup, je vais essayer de trouver le petit hibou. Bienvenue dans la forêt enchantée, jeune héros de l'éveil. Apprends que la bien mystérieuse île Cocolint n'existe aucune carte. Les règles qui la régissent diffèrent un peu de celles de l'endroit d'où tu viens. Mais sache que tu ne pourras pas la quitter tant que les poissons rêvent, la divinité de l'île dormira. À propos, as-tu aperçu la caverne Flagello au sud de l'île, au sud du village? La clé permettant de l'ouvrir est cachée dans cette forêt. Trouve-la avant de t'y rendre. Le poisson rêve te regarde. D'accord. Alors ici, on a des moblins. C'est les ennemis et des slimes, apparemment. Pop! Pop! Deux coups d'épée, ça suffit. Ça va, c'est des ennemis assez faibles. Faut juste éviter de se faire toucher. Et tout va bien, tu vois. Ah! Lui, il me semble qu'il a besoin de quelque chose. Je suis un raton laveur espiègle. Et j'aime pas du tout qu'est-ce poudreux. Donc du coup, s'il est espiègle, il aime pas ce qui est poudreux, on voudrait peut-être lui ramener un truc qui est poudreux, tu vois. Je sais pas si c'est... Tu vas te perdre dans la forêt. Bien fait. Ah, c'est la... Bonjour. Tu me sembles être pris en pleine forme. Attends, je vais faire mieux encore. La voix de la fée. Tu sembles être pris en pleine forme. Reviens me voir quand tu sentiras la fatigue et s'emparer de toi. Oui, en gros, la fée, quand je suis pas bien, elle me soigne entièrement, tous mes cœurs. Hey, Goblin! Moblin, tu sais où est la sortie? J'ai un plus gros bouclier que toi. En fait, non, t'as un plus gros bouclier. Là, les cimes, en fait, ils se doublent en plusieurs morceaux. Là, c'est génial parce que j'ai pas vraiment besoin d'équiper. Avant, il fallait équiper son bouclier, etc. sur des touches. Là, c'est paramétré directement. C'est moderne, tu vas dire. C'est paramétré directement sur les touches. Genre, j'ai mon épée, c'est sur B. J'ai mon bouclier, c'est sur le bouton R. Et ça change pas, tu vois. Alors qu'avant, il fallait que j'aille dans le menu. Et que j'aille faire mettre épée sur B, A, X, etc. Tu vois. Apparemment, je peux toujours équiper des objets, mais ce sera donc des objets spéciaux qui vont. Je pense que c'est les objets spéciaux qui vont devoir être dans ce truc-là. Je ne suis pas vraiment perdu dans cette forêt. Je suis arrivé exactement... Non, je crois que j'ai pas trouvé le... J'ai juste traversé la forêt, mais j'ai pas trouvé la clé. Lui, il faut pas le toucher, il électrifie. Je sais pas si je peux le tuer quand il ne fait pas le truc électrique. Est-ce que je peux rentrer là-dedans? C'est la sorcière. Une petite souris. Bonjour sorcière. Tralali, tralala, un champignon, trois petits tours et la poudre magique apparaîtra. Donc pour la sorcière, il faut un champignon. Attention sur le fissuré, ne vous attardez pas dessus. Ok monsieur. Je retiens. On va éviter de rester dans le sol fissuré. Ah ce sol fissuré là. Au. C'est bon, je suis passé. Oh, c'était quoi ça? Un fragment de puissance. Vous sentez l'énergie envahir votre corps. C'est sûrement un truc... Ah non, ça n'a rien à voir. Je pensais que c'était un truc qui allait me donner un cœur, vous savez. Ah, je suppose que je vais besoin d'avoir le bracelet, de toute façon, le bracelet de force pour pouvoir ouvrir ça. J'ai trouvé un champignon. Un arôme subtil exhale votre sens de l'odorat. Donc du coup... Je suis sorti carrément de l'autre côté. Ow. Je peux pas aller plus loin que ça. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que maintenant que j'ai champignon, je peux retourner voir la sorcière, lui donner le champignon, et ainsi obtenir la poudre que je vais balancer sur le bébête. Un diamant. Un rubis. J'arrive pas à dire diamant, en fait. Mais c'est un rubis. Trois petits tours. Et maintenant, un sachet de poudre. C'est prêt, attention, il y en a un peu.
Si tu veux, tu peux l'essayer ici. Vous avez obtenu la poudre magique. Ouvrez votre inventaire. Ok, très bien. Tiens. Voilà, t'as le mérite bien. Non mais oh, il est sérieux. Hein. J'ai croqué d'un champignon et puis j'ai rêvé que tout était j'étais devenu un raton laveur. Moi je sais plus trop ce qui s'est passé mais c'était trop rigolo. Ah, je me sens tout drôle, je vais me reposer avant de rentrer. Ok, d'accord. Bye. Oh! Et j'ai obtenu la clé pour le donjon. Bah voilà. Ça c'est fait. Oh, à présent, rends-toi à la caverne de Flagello, au sud du village. Une fois à l'intérieur, récupère l'instrument qui y repose. Le poisson rêve t'attend. C'est inquiétant tout ça, moi je te dirais. Mais bon, c'est pas grave, je vais y aller. Te repose pas trop longtemps dans la forêt, parce qu'a priori, il y a quand même pas mal de moblins hein, partout. Ah ben, y a plus personne ici. Il est déjà parti. Elle m'a abandonné. Où est-ce que tu es, Zelda? Je suis pas Zelda, je suis Marine. C'est pareil. Bonjour, Seroch. Tarka est parti dans la forêt chercher des champignons. Moi, je préfère chanter, écouter. Donc, c'est la balade du poisson rêve. Tino, qui est mignon. Bonjour. Je suis Papouné, le papa des quadruplés. Plus tard, je me perdrai dans les montagnes. Tu viendras m'aider, hein? Sérieux? Mes quatre plus grands se ressemblent tous. Même moi, je n'arrive pas à les différencier. En fait, sais-tu où trouver une peluche de Yoshi? J'en ai vu une à la salle de jeu, mais elle est trop difficile à avoir. Tu veux une peluche de Yoshi? Très bien, je vais en chercher une pour toi. Et où elle est, la salle de jeu? J'ai pas vu de salle de jeu, moi. Bon, on va attaquer les poulets, je vais vous montrer ce qui se passe quand on attaque les poulets. Non. Attention. Faut attaquer combien de fois le poulet pour avoir... Ah, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah. C'est l'attaque des poulets. Vous ne m'aurez pas, bande de poulets. Ils sont invincibles, hein, donc... Ah, j'aurais été déçu s'il avait pas mis. Ah, ils vont me tuer. Cours, Seroch, cours. Les poulets m'attaquent. Je prends une canne à pêche. Hop. Ils vont pas me tuer pendant que je prends une canne à pêche. Ouais, ouais, d'accord. Tu vas me sauver la vie parce que les poulets sont en train de me tuer. J'ai tétali, appuie sur A. J'explique. Maintenant, A enfoncé. Plus tu maintiens longtemps, plus la distance est grande. Puis fais bouger ton leurre avec le L et après s'inférer. Ensuite, A pour remonter ta ligne. Si tu veux le remonter vite, appuie rapidement sur plusieurs fois sur le bouton. C'est une lutte entre toi et le poisson. Bonne pêche, mon gars. En fait, vous savez quoi? Avant de voir les poissons, je vois qu'il y a un objet en bas, juste en dessous de là. Si j'arrive à faire descendre le truc suffisamment bas, j'arriverai à le récupérer, je pense. Hey! Oh non! Je vais le faire doucement, mais sûrement. Gêne pas. Oh, bordel! Le poisson m'a gêné. Bon, pas ça, hein? Non! Oh, bordel. Il a l'air tellement content. Vous avez remonté un flacon à fées. Comme on l'a dit, vous pouvez y mettre une fée. Et ça, c'est top. Alors, du coup, je vais ouvrir ce donjon grâce à la clé que j'ai trouvée. Et du coup, à l'intérieur de ce donjon, en fait, on va trouver un objet qui va nous permettre d'avancer dans l'histoire. Je pense que c'est la plume. C'est soit la plume, soit le bracelet de force. C'est un des deux. C'est un des deux objets sacrés dont on a besoin pour avancer, tu vois. Oh, tous ces yeux qui me regardent, là. Ils te regardent pas vraiment. C'est rigolo, quand même, hein, quand tu y penses. Parce que ça, ils ont repris exactement les mêmes levels. C'est, la vue est identique, tu vois. C'est juste que maintenant, c'est de la vraie 3D. Et ça donne un petit effet, on va dire, pâte à modeler à la chose.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais graphiquement, je trouve vraiment qu'il y a... T'as le petit aspect, il est super beau, en vrai. C'est simple, mais c'est beau, tu vois. Ok, un coffre. Et j'ai une petite clé. Alors, en fait, dans les donjons, ce qui est marrant, c'est que tu as des coffres qui vont te donner des petites clés pour ouvrir des petites portes, et tu vas trouver aussi un coffre qui va te donner une carte pour eux, et ensuite, tu as un coffre qui va te donner la clé du boss. Voilà, c'est les trois types de coffres que tu dois trouver dans le jeu, on va dire. Ah, bien sûr, il y a ceux qui donnent des diamants, enfin des rubis. Pourquoi je dis diamants à chaque fois? Je crois qu'il faut vraiment mettre les trois au même, tu sais. Voilà. La carte. Ça, c'est cool. Appuie sur moins pour la consulter. D'accord. Du coup, là, comme tu peux voir, j'ai la carte. Et tu peux voir, en fait, tous les endroits où je ne peux pas aller encore. Ici, je peux pas aller parce qu'il faut que je saute. Du coup, je pense que la salle du boss est ici. Soit ici, soit ici. Je sais pas, c'est un des deux, tu vois. Là, pour le coup, je peux aller tout à gauche. Je crois que je suis jamais allé tout à gauche. Je suis parti en haut directement. Oh non, ça s'est fermé! Oh zut! Je suis enfermé avec des slims que j'ai défoncé directement. J'ai la boussole. Franchement, le truc, c'est que... les premiers niveaux sont super faciles. C'est le premier niveau, c'est super sympa, super facile. Mais il faut savoir que il y a des niveaux un petit peu plus ardus en termes d'énigmes. Mais après, ça reste du Zelda Game Boy. Hein. Donc du coup, techniquement, on risque pas d'avoir trop de soucis. En fait, les jeux Zelda, c'est vraiment une petite balade de santé, quoi. C'est vraiment une aventure sympa. Par contre, Breath of the Wild, c'est un jeu ultra difficile. Hein. Et ça, c'est insane. Ah ! J'ai essayé de pas tomber, c'est horrible. Je sais pas où j'ai trouvé l'autre clé, là. Si une porte se fermait devant toi, un bloc tu déplaceras. Ok, très bien, merci à toi, Hibou. Ça me fait du mal, ça me fait mal au cœur parce qu'elles sont kawaii, en fait, les tortues, là. Qu'est-ce que t'as à dire, toi? Avec ton bouclier, tu renverses les créatures au point d'acérer. Ok, d'accord. Merci. Merci, j'avais compris. Vous avez vu, c'est les mêmes ennemis que dans Mario. Et d'ailleurs, c'est une petite référence à Mario, vu que c'est une vue scrolling, tu vois. C'est marrant qu'ils ont gardé ça aussi. Le jeu, c'est vraiment... Oh. 3. Ok, 3. Là, je vais récupérer la plume, je pense. Yes! Et maintenant que j'ai la plume, je peux sauter où je veux. La boussole dit un truc, je sais pas quoi. La clé du boss. Ben voilà. Donc du coup, là, c'est notre premier donjon, on l'a terminé. J'ai récupéré la clé du boss. Maintenant, il ne me reste plus qu'à traverser les trois salles restantes qui étaient juste à droite. Et on va... Ah ! Je dis ça et je meurs comme un con en tombant dans un trou, sérieux. Banane. Ah ! Je suis triste. Bonjour. Bonjour, j'ai pas fait exprès, je suis tombé plusieurs fois dans le vide sans faire exprès. Aou! J'ai plus de vie, arrêtez de me taper! La tristesse s'empare de moi à ce moment précis, lorsque j'ai eu mon premier game over dans mon premier donjon, dans lequel j'ai dit que c'était facile. Il fallait que tu le spam, c'est bon aussi! Donne-moi la fée! J'ai un bocal à faire d'ailleurs. Attends. Mec. Oh non, j'ai mangé la fée au lieu de... Fuck. Parce que avec le bocal en fait, j'aurais pu faire comme ça là. J'aurais attrapé la fée et... Ok.
Excusez-moi. Attendez, on peut aller en dessous là? Y'a quoi en dessous? Y'a des morts. Ils vont m'attaquer ou pas? Apparemment non. Je sais pas à quoi ça sert ces plumes avec des trois là. Je sais pas c'est quoi les cœurs, plume 3 là, je sais pas du tout ce que c'est. Ow! Regardez-moi ce boss, regardez ma tête. Un être Gigantelle, s'appelle-t-il. Bien Gigantelle. Oh Gigantelle, qu'est-ce que tu es gros? Oh my! Ah! Oh, c'est rigolo ça! Du coup, je tombe là? Maintenant, je comprends l'utilité de cette salle. Vous avez vu ça? J'arrête pas de sauter pour taper, ouais. C'est horrible. Ah, bah en fait, si tu bouges pas, tout va bien, hein. Je vous ai dit que c'est un combat facile. C'est juste que je suis assez stupide pour me tromper de touche, ok? Et je vais avoir un nouveau cœur normalement. Yes, j'ai 4 cœurs maintenant. Et j'ai récupéré un instrument de musique qui est une guitare. Le violon des vagues. Je pense que je voudrais pouvoir jouer la musique du poisson rêve avec ça. Ta-na-na, ta-na-na. Marée, une nouvelle voie s'ouvrira à toi dans le marais fleuri. Cool. Yay! C'est ainsi, les amis, que nous avons fait le premier donjon et donc du coup l'intro de Nouveau Zelda Awakening. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec une tonne de pouces bleus et de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Partagez la vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater. Et si vous voulez voir le let's play complet de ce jeu, rendez-vous sur la chaîne secondaire Seros Let's Play. Le lien, c'est le premier lien dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. A demain, Seros, out. Excuse me, princess.